Alexei Nemov qui a remporté la médaille d'or du saut et qui s'achemine peut-être vers un autre expo au parallèle. Il en est fort capable. Il peut devancer donc Sharipov. C'est une affaire de Russes, de Biélorusses et d'Ukrainiens. Un troisième double dans les barres, deux vers l'avant, un vers l'arrière. Demi-tour, et c'est la sortie, double quarté. Bien belle finale aux barres parallèles. Oui, oui, j'allais vous le dire, contrairement à un scénario plutôt classique, eh bien on a eu quelques pirouettes intéressantes, quelques nouveautés, quelques prouesses techniques. Reste à savoir qui va être médaille d'or. Si l'on se réfère aux bisous que se font les Russes, les Ukrainiens, les Biélorusses. Alors vous voyez, quand on n'embrasse pas un Russe, on l'embrasse sur la bouche. Quand on l'embrasse sur la bouche, ingrès. Et quand c'est pas un Russe, on l'embrasse sur la joue. Vous l'avez remarqué ? Oui, oui. Il a embrassé un Bulgare, c'est sur la joue. Donc normalement, je pense que Alexei Nemov va remporter peut-être sa deuxième médaille. Non, oui, argent. Et Sharipov, l'Ukrainien, médaille d'or. Ex-aequo avec Cherbo. Savdaridou ne montera pas sur le podium. Ça, c'était prévu.